Ah, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on vient d'apprendre que Fritz Corleone s'est fait arrêter, mais bon, c'est pas ça le plus important, mes frères et sœurs, puisque voilà, c'est pas une grosse arrestation, j'ai rien vu de musclé et tout ça et tout. Donc voilà. Donc moi, ce qui me choque, c'est l'arrestation de, enfin, l'hospitalisation de Caris. Donc voilà, il est hospitalisé, je sais pas pourquoi, mais il y a des articles qui sortent là, il y a beaucoup d'articles qui sortent sur lui. J'étais sur Google. Sur ma page Google et je vois ça. Effectivement, il est vraiment hospitalisé. Donc on ne sait pas si c'est le Covid, on ne sait pas si c'est. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé, ni ce qu'il a. En tout cas, au visage qu'ils ont montré, on voit un visage, on voit un peu un visage qui est ailleurs, quoi. On voit un visage qui plane un peu. Donc voilà, donc j'espère que ce n'est pas trop grave. Apparemment, il revient de Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc j'espère qu'il n'a pas attrapé le palu ou un truc bizarre, mystique. On lui souhaite un bon rétablissement et voilà, on est positif. On pense que ça va aller pour le dozo parce que voilà, il est solide. Hein. Il est solide, donc voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide, hein. On va pas parler 100 ans, donc c'est juste l'actu du jour, quoi. Donc arrestation de Fritz Corleone et hospitalisation de Caris. Donc voilà. Grosse force au dozo, mes frères et sœurs, et grosse force à Corleone. Mais d'abord force au dozo, mes frères et sœurs. Bah.